Bonsoir à tous, bienvenue ici au Stade de la Beaujoire pour cette 23e journée du championnat de France avec le gros match, la grosse affiche entre Nantes et Bordeaux, les deux leaders du championnat à égalité de points. C'est Nantes hein, qui est premier à la différence de but avec le nombre de buts marqués, deux buts marqués en plus que Bordeaux. Et donc ce soir c'est vraiment un sommet du championnat et aussi ça peut être un tournant en fonction du résultat parce qu'effectivement si Nantes l'emporte, et ben Nantes reprend deux points d'avance et bien sûr au-delà de la première place viendrait prendre un ascendant psychologique sur Bordeaux. S'il y avait match nul, on pourrait penser que ce serait il y aurait un statu quo, mais ce serait quand même une bonne affaire pour Bordeaux qui viendrait tenir en échec Nantes. Et si Nantes s'inclinait face à Bordeaux ici, que Bordeaux venait l'emporter, bah là aussi ça aurait un effet psychologique, on va dire, important pour les Bordelais. Alors au niveau des compositions d'équipe, pas de grands changements, c'est du grand classique. Et là on s'attend à un match, en tout cas on l'espère, de très haut niveau entre ces deux équipes hein, qui survolent le championnat, puisque Auxerre et Monaco sont loin derrière. Et donc nous allons voir ce soir et bah, tout simplement quel va être le dénouement de ce match. Et là c'est donc Dominique Dropsy qui dégage. Il y avait un long ballon, on l'a vu pour Ali Lodzic, mais ça n'avait pas été dangereux. Beau 6 pour Poulain, mais c'est Tigana qui récupère Girès qui sert Dieter Müller dans la profondeur à la lutte. Et finalement c'est Poulain qui récupère ce ballon. Loïc Amis. Amis qui sert Ali Lodzic dans l'axe, qui va pivoter pour Touré, mais là il est un peu seul au milieu de deux Bordelais. Touré, il est pressé par Girard et gros pressing Bordelais. Lacombe, Tigana, Müller, ah, ça joue bien côté Bordelais. On se projette vite vers l'avant pour Bernard Lacombe qui frappe. Et déjà une première intervention de Jean-Paul Bertrandomat sur cette frappe de Bernard Lacombe. Mais quelle bonne circulation de balles là des Bordelais qui vraiment... Ils ont l'habitude de jouer comme ça en triangle, hein, Tigana, Girès, Müller. Et on finit souvent avec Lacombe en profondeur. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Et Bordeaux qui se crée la première occasion de ce match. Et c'est un corner que va tirer Alain Girès. Corner est frappé. On cherche Alana de la tête. Mais ça n'inquiète pas le gardien nantais. Ouais, la tête passe largement au-dessus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Bordeaux qui domine ce début de rencontre, en tout cas qui s'est créé une occasion assez nette. Et là, c'est un ballon à destination d'Ali Lodzic qui ne trouvera pas Touré. Touvenel va pouvoir se dégager avec Tigana pour Girès. Mais il perd le ballon et c'est Bibar qui va servir Loïc Amis. Loïc Amis qui centre pour Ali Lodzic, ça ne donnera rien. Ramos qui veut reprendre de voler, mais c'est contré. Et c'est reparti, on se projette vite vers l'avant. Tigana, Girès, oh, il y a une situation de contre là-bas, attention. Girès qui est décalé, Girès qui va adresser un ballon, Bernard Lacombe dans la profondeur qui frappe et c'est le but. Ah mais il me semble que l'arbitre a levé son drapeau et oui, il y a une position de hors-jeu de Bernard Lacombe, mais attention car là il y avait un danger évident pour les Nantais. Oui, sur cette phase de jeu, voyez, ça ne joue pas grand chose, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que Nantes avait été vraiment mis en difficulté sur ce contre bordelais. Et il va falloir quand même tirer les enseignements assez rapides côté nantais, parce que la 12e minute, on voit clairement que pour l'instant, c'est Bordeaux hein, qui maîtrise le match. Et Nantes a l'air assez étouffé. Et surtout, Nantes s'est fait déborder deux fois en 12 minutes par une attaque girondine très inspirée visiblement ce soir. Là, on relance pour Chalana. Et c'est vraiment Bordeaux qui domine. Peut-être que Nantes ne s'attendait pas à ce match-là. Tussaud. Servir Lacombe, mais il est stoppé par Adoncor, mais c'est un ballon qui revient très vite dans les pieds bordelais. Girard, Chalana, ah, il y aura une faute, oui, il y aura une vilaine faute là sur Fernando Chalana. Et l'arbitre qui rappelle à l'ordre le défenseur nantais, oui. Et beaucoup de crispation, on a l'impression côté nantais, qui semble un peu empruntés pour l'instant. Ils sont pas du tout au niveau de ce qu'ils ont l'habitude de proposer, vu qu'ils sont leaders du championnat, il faut le rappeler. Et ce soir, pour l'instant, il n'y a pas encore de but, mais on a l'impression que Bordeaux est quand même au-dessus pour l'instant. Les Tigana
Il va mettre ce ballon dans la surface de réparation. La combe en pivot qui frappe. Et superbe parade de Bertrand Neumann qui évite encore le pire pour les Nantais. Mais là, il y a une contre-attaque. Loïc Amis peut-être qui va pouvoir créer le danger. Il sert à l'Ilotic. Non, mais sans problème, Dominique Dropsy qui vient s'interposer. Mais quelle action au corps de Bernard Lacombe. Ça commence à faire beaucoup. C'est la troisième occasion bordelaise. Plus un but refusé. Vraiment, l'emprise est vraiment bordelaise dans ce match. Girès. Alors, on notera qu'Alain Girès joue un peu excentré au lieu de jouer dans l'axe. Et pour l'instant, c'est vrai que ça perturbe quand même beaucoup la défense nantaise. Ali Lodic pour Touré. Ouais, qui sert Maurice. Maurice qui frappe. Oh là, la transversale. Il me semble que ce ballon a touché la barre transversale. On va revoir ça. Et c'est la première occasion nantaise du match. Oui, bon décalage là pour Maurice. Pierre Maurice qui frappe. Ah oui, c'est la transversale qui sauve Dominique Dropsy. Alors ça aurait été quand même assez heureux que Nantes vienne ouvrir le score, car ils sont dominés. Mais voilà, ce match en tout cas tient ses promesses pour l'instant. Et Nantes vient de se créer seulement sa première occasion. Attention, Dieter Müller, les Bordelais qui récupèrent vraiment les ballons, on va dire, assez facilement. Et le milieu de terrain bordelais prend vraiment l'ascendant. Attention, Girès, la combe qui rentre encore une fois. Et encore une parade de Bertrand Neumann. La défense nantaise est en souffrance. Tigana qui récupère le ballon. Tigana, ouais, qui se bat bien. Il va plus vite que tout le monde. Girès, Lacombe, Müller qui frappe. Et encore une parade de Jean-Paul Bertrand Neumann. Grosse domination des Bordelais. Gros temps fort là des Girondins de Bordeaux. Et des Nantais qui souffrent de plus en plus. Ah ouais, superbe travail là de Dieter Müller, hein, qui a fait un petit râteau pour ensuite s'emmener le ballon sur son bon pied. C'était très bien joué. 28e minute, Bordeaux domine cette rencontre. Corner de Girès pour... personne, puisque personne ne coupe la trajectoire de ce ballon. Et Tussaud qui récupère, qui protège bien, mais il est pris, ouais, il est pris par Bibar. Mais ce sera quand même une touche pour les Bordelais. Les Nantais qui sont en souffrance, hein, vraiment. Girard, Tigana. Et le milieu de terrain bordelais ce soir est très très fourni et très très performant. On le voit, hein, encore une touche là avec un Jean Tigana qui est très très bon et Alain Girès positionné plutôt sur le côté. Et ça a changé beaucoup de choses depuis le début de la rencontre. Et là, ça va être un coup franc puisque Tigana se fait accrocher par Touré. Alors pas de carton pour l'instant, le match se joue dans un bon esprit. Mais en tout cas, Nantes souffre depuis le début de la rencontre et c'est Bordeaux qui pour l'instant fait valoir, alors il n'y a pas encore de but inscrit, mais qui fait valoir sa supériorité. Très gros niveau des Bordelais ce soir. Girès qui met le ballon dans la surface, le ballon qui navigue, qui est sorti par Bossis et a donc encore qui dégage, qui ne s'embarrasse pas de fioritures. On est à la 32e minute et c'est vraiment une grosse domination bordelaise. Et là, c'est Girès qui est servi. Girès, qui finalement est contré par Loïc Amis, qui est obligé de venir défendre. Côté nantais, pour l'instant, on n'a pas de solution, même si c'est Amis là qui récupère le ballon pour Ali Lodzik. Mais c'est bien sorti, c'est bien couvert par la défense bordelaise. Ils sont très sereins, les Bordelais. Girard, ouais, voilà, Nantes qui court après le ballon, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et Tussaud qui sert. Là-bas, Dieter Müller, mais le grand Maxime Bossis est venu de la tête dégager ce ballon. Ali Lodzik, elle est peut-être une occasion pour Bordeaux. Non, c'est avorté. Et Chalana qui repart pour Girard. Un bon corps qui est solide. Ramos, elle est dans le rond central. Et pas de solution, il y a une faute, mais l'arbitre va laisser l'avantage au Nantais. Touré. Touré qui s'échappe, attention, sur le côté. Il rentre dans la surface de réparation. José Touré, il veut centrer pour la tête de Ramos, mais il ne le trouvera pas. Et on peut se dégager côté bordelais. On fait bien tourner le ballon. Tigana, Chalana, Tussaud. Mais voilà, ouais, là par contre il y a une faute évidente. C'est Bibar, mais cette fois-ci il ne va pas échapper au carton. Et ça fait plusieurs fois que ça se produit depuis le début du match. Et côté nantais, oui, on est un peu pris de vitesse et on est obligé de faire des fautes. Et Bordeaux va pouvoir... C'est William Ayache, pardon. Ce n'est pas Bibar, c'est Ayache qui vient de prendre ce carton jaune. Et là, c'est Dieter Müller, ouais, qui dévie. C'était bien joué, mais ça ne donne rien pour l'instant. Et Loïc Amis qui joue très très bas sur le terrain. Mais là, il est contré. Alain Girès qui change complètement pour Chalana. Ils sont privés de ballon, les Nantais. C'est Bordeaux vraiment qui fait un gros match ce soir. Et là, encore une faute nantaise. Et ça va occasionner
un coup franc. Alors on est bientôt à la mi-temps de ce match. Vous verrez les résumés de Monaco-Lens, très important. Monaco-Lens, Lens qui vise l'Europe et Monaco qui vise le podium. Nancy-Auxerre et en division 2, Grenoble-Nîmes seront les résumés que vous pouvez voir pendant cette mi-temps. Là on joue vraiment les dernières secondes de cette première mi-temps. Tigana au corner, au coup franc pardon, il sert Touvenel, Touvenel Girès, et encore un coup franc décidément. Les Nantais qui sont très fébriles, les cartons jaunes, voilà. Carton jaune cette fois-ci. Mais ça commence à faire beaucoup de fautes commises par des Nantais qui tout simplement ce soir, ne cesse de le répéter, sont en souffrance face à une belle équipe de Bordeaux vraiment. En tout cas, les Bordelais sont venus visiblement ici, non pas pour subir, non pas pour prendre un point, mais pour être le patron. Et là, c'est Girès. Girès qui frappe, et voilà. Et c'est le 1-0. Et c'est finalement sur coup de pied arrêté que Bordeaux, dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, vient ouvrir le score. Et c'est logique, car Bordeaux dominait vraiment ce match. Les Nantais était beaucoup trop à la peine depuis le début de cette rencontre. Il y a eu cette frappe de Maurice sur la transversale, c'est tout ce qu'on a vu côté Nantais. Mais Bordeaux a eu 5 occasions franches avec un Jean-Paul Bertrandoman qui ne cessait de repousser l'échéance. Et Alain Girès sur un coup franc dont il a le secret vient ouvrir le score juste avant la mi-temps. Alors ça va faire beaucoup de mal aux Nantais, mais malheureusement c'est très très logique. Et là Bossis dégage en profondeur, ouais, il veut chercher Alelodzic rapidement, mais ça ne donnera rien. Et Dominique Dropsy tranquillement qui sert Tusso. Et voilà, c'est la mi-temps. 1-0, c'est un gros match pour l'instant. Et c'est Bordeaux pour l'instant qui mène au score. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde période. Monaco qui a perdu sa troisième place la semaine dernière aux dépens d'Auxerre reçoit une belle équipe de Lens, cinquième, qui ces dernières semaines a pris des points importants et s'est rapproché de l'objectif européen. Un beau match en perspective que les Monégasques vont prendre à leur avantage. Là c'est Gengini, la 18e minute qui frappe. Ça n'est pas dangereux pour l'instant, mais la domination, on va le voir, va être monégasque. Il y aura juste un coup franc côté lensois en première mi-temps. Sans danger car détourné par le mur des rouges et blancs. Vercruis pas très en réussite sur ce coup là. C'est bien Monaco à la 67e minute qui va accentuer sa domination. Daniel Bravo qui sert Bruno Bellone qui frappe. Petit filet, 1-0 pour l'ASM. Succès obligatoire pour Monaco qui avant ce coup d'envoi était quatrième et avait perdu sa troisième place. Et Monaco qui s'impose 1-0. Auxerre, lui justement, troisième, qui avait chippé cette troisième place à Monaco, se déplaçait à Auxerre. Match très équilibré, même si les Bourguignons en seconde mi-temps vont prendre l'ascendant. Là, c'est Zarmac qui sert Garande. Garande qui file au but. Il frappe, mais malheureusement, il perd son duel face à Bruno Martini. Et pour l'instant, toujours 0-0, mais la domination des joueurs de la JOCR va se concrétiser. 73e minute, Zarmac qui resserre Garande et cette fois-ci, il ne rate pas l'occasion d'ouvrir le score. 1-0, scénario parfait pour Auxerre pour l'instant. Ici, le score reste là, reste 3e du classement. Mais c'était sans compter sur la persévérance et la pugnacité des Nancéens. Bruno Germain, Robert Jacques qui rejoue avec Germain. Qui décale Haribar. Haribar qui centre. Picot, l'ancien Nantais amorti de la poitrine, vient mystifier Joël Batz. Et ça fait un partout. Nancy, qu'on croyait en perdition dans ce match, à un moment donné, s'est bien repris. Score final, un partout. Et c'est Auxerre qui est accroché. Et on le verra en fin d'émission. C'est Auxerre qui repasse quatrième et Monaco qui reprend la troisième place. Grenoble 8e qui reçoit Nîmes 2e. Les Nîmois, on se rappelle, qui s'étaient offert le leader Nice juste avant la trêve.
des Nîmois en pleine forme et qui jouent la montée cette saison et qui se rendent à Grenoble forcément en étreignant leur deuxième place. Mais on va vite se rendre compte que ce déplacement en Isère va être compliqué pour les Gardois. Là c'est Nosibor à la cinquième minute qui frappe et ça frôle la cage du but Nîmois. Des Nîmois quand même dominés dans ce match par une belle équipe de Grenoble qui réalise quand même une saison assez intéressante. Même si côté Nîmois on va réagir, là c'est Goudard qui sert Kuben tout seul mais qui manque le cadre, dommage. C'était l'une des rares occasions nîmoises dans cette première mi-temps. 20e minute, Robert Buig qui décale Nosibor pour Neoda qui frappe. Une belle parade de Morisseau. Des Nîmois quand même mis en difficulté. 48e minute, Robert Buig à la baguette encore, il veut servir Nosibor mais c'est récupéré par Xapo. Xapo qui va centrer pour Neoda, amorti de la poitrine, Morali qui frappe, ses contrées sans danger, mais c'est toujours Grenoble qui domine ce match. Corner tiré par Xapo, Morali pour Desrosiers qui frappe, ses contrées. Un peu un billard dans la défense nîmoise, même si là c'est Big qui récupère. Robert Buig qui a fait un excellent match hier soir et la superbe parade de Morisseau sur cette tête de Neoda. Les Nîmois ont eu très très chaud et en toute fin de match, les Nîmois auraient pu créer le hold-up. Goudard qui lance Kuben. Kuben qui rentre dans la surface, qui frappe et belle parade du gardien grenoblois. On s'en reste là, score final 0 à 0. Nîmes est accroché face à une belle équipe de Grenoble. Et nous revoilà ici à Nantes pour ce Nantes-Bordeaux, le sommet de ce championnat. Et 1-0 pour les Bordelais, on l'a vu. Coup franc magnifique d'Alain Girès dans les arrêts de jeu de la première mi-temps qui est venu concrétiser une domination bordelaise. Et là, les Bordelais sont déjà repartis à l'attaque. Mais pour l'instant, Bossis se récupère le ballon. Pas de changement à la mi-temps pour l'instant. On en reste là au niveau des compositions d'équipe. Attention, Touré à l'Inozic. Oh là là. Et il y a une grosse mésentente dans la défense bordelaise. Alors, c'est pas, on n'a pas vu ça depuis le début de la rencontre. Mais là, il y a eu un gros moment de flottement. Et l'Inozic, vraisemblablement surpris de récupérer ce ballon, qui n'a pas saisi sa chance. Mais là c'est Dieter Müller qui est lancé en profondeur. Müller, il est attaqué, la frappe, et l'arbitre qui revient à la faute, et ce sera un coup franc. Et oui, Maxime Bossis en retard sur ce coup-là. Je ne sais pas, oui, on va avoir un ralenti. Dieter Müller, oui, là, il est vraiment très en retard, Bossis. Et attention, parce que ça va être un coup franc. Un peu le même coup franc, pratiquement le même coup franc qu'en première mi-temps pour Alain Girès. On est à la 52e minute. Girès qui frappe. Et c'est le 2-0. 2-0 pour Bordeaux qui vient dès le début de la deuxième mi-temps peut-être tuer ce match et qui vient crucifier les Nantais. 2-0, superbe coup franc d'Alain Girès qui signe le doublé. Deux coups francs pour Girès. Et Nantes est au tapis pour l'instant. Et on se rappellera certainement longtemps de cette occasion de Halilhodžić juste avant. Mais c'est vrai que Nantes est trop fébrile ce soir. Il y a trop de fautes commises et qui provoquent forcément des occasions pour les Bordelais. Et là les Nantais sont KO debout, 2-0. Et on le rappelle, les deux équipes étaient à égalité au classement. Premier ex aequo, forcément ce soir, si le score en reste là, Bordeaux repartira seul leader et surtout avec un avantage psychologique indéniable. Oh, attention, parce que là c'est Müller, il est parti dans le dos de la défense, il va servir Chalana. C'est peut-être un peu long, ouais, ce sera trop long. Même si Chalana arrive à centrer, il sera contré. Et là il y a un gros moment de flottement dans la défense des Nantais qui semble avoir pris un gros coup sur la tête. Mais là c'est Pierre Maurice qui décale Touré. Là, il y a peut-être une réaction nantaise. Centre, mais c'est dans les gants de Dominique Dropsy. Et en tout cas Bordeaux qui ce soir est venu faire une forte impression ici à la Beaujoire. Alors on rappelle au niveau du championnat, Bordeaux avait été leader assez net pendant les 14 premières journées. Et ensuite de la 14e à ce soir, et c'est Nantes qui avait repris la tête. Et visiblement ce soir
Le score en reste là, c'est Bordeaux qui va reprendre la tête du championnat à 15 journées de la fin. Alors 15 journées bien sûr. Bon, attention, mauvaise relance, oui, mais il n'en profitera pas Touré. Cette mauvaise relance de Couvenel. 15 journées, c'est encore très très long. Alors bien sûr, Bordeaux ne gagnera pas le titre de champion de France ce soir s'il s'impose ici. Mais forcément, c'est un tournant indéniable du championnat de France. Tigana, et là on voit que les Nantais n'ont vraiment plus d'arguments. Müller, encore lancé dans le dos de la défense. Müller peut-être le 3-0. Oh, il faut une parade de Bertrand Neumann. Mais où était la défense nantaise, on se le demande. Ah, les Nantais qui sont en perdition totale là. Mais superbe ouverture pour Müller. Et Bertrand Neumann qui vient éviter le pire à ses coéquipiers. Ce sera un corner puisque visiblement le portier nantais avait retouché le ballon. C'est Chalana. Il va botter ce corner, la tête, ah, ça passe à côté, la tête de Dieter Müller. Il y avait une défense nantaise qui commence à montrer des signes très inquiétants. Ils ne sont plus présents dans les duels. Et il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, c'est un peu ce qu'on avait déjà vu en première mi-temps. Grosse déception pour Nantes ce soir qui n'a passé complètement à côté de son match. Et qui tout simplement est tombé sur une équipe plus forte qu'elle, tout simplement. Et c'est vrai que la dynamique était plutôt nantaise ces dernières semaines avec des belles victoires. Alors que Bordeaux, lui, gagnait souvent des matchs de manière assez laborieuse. Le Touré là-bas, ça ne donne rien. Et on pouvait penser que Bordeaux était complètement friable finalement dans ce championnat. Mais ce soir, ils ont montré les Bordelais qu'ils étaient vraiment très 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 forts. Et on a vu vraiment que des grosses individualités ce soir côté bordelais. J'irai, ça a été tout simplement époustouflant. Tigana très très bon, Dieter Müller également. Et même Chalana hein, qui est en demi-teinte hein, depuis son arrivée à Bordeaux ce soir a livré vraiment un très bon match, un match sérieux. Et côté nantais qui a manqué visiblement, bah, c'est Khalil Oddi qui a été assez muet finalement. José Touré n'a pas du tout pesé dans le jeu. Et l'Argentin Victor Ramos non plus. On n'a vraiment pas vu les Nantais ce soir. On a surtout vu le défenseur nantais commettre beaucoup de fautes. Et Bordeaux qui continue la combe pour Müller encore. Müller qui frappe. Oh, c'est le poteau. C'est le poteau qui sauve Nantes. Nantes à la dérive. Des Nantais qui sont complètement submergés là par les attaques bordelaises. Il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain. On ne cesse de le répéter. Et des Nantais vraiment qui ce soir souffrent considérablement, ne s'attendait certainement pas à ça ici du côté de la Beaujoire. Il reste 10 minutes et là on voit clairement que Bordeaux déroule tranquillement son match. Et ouais, mais voilà, encore beaucoup d'énervement côté nantais, on commet des fautes. Mais un match qui quand même reste dans un bon esprit, précisons-le. Et un arbitre pour l'instant qui tient bien son match et qui ne laisse rien passer. Et là encore une faute sur... Alain Giresse, certes pas une faute vilaine, mais en tout cas une faute réelle. Et là c'est Audrin qui va remplacer Chalana. Tigana qui met ce ballon loin dans la surface. Doncor qui le sort et s'est récupéré par Audrin justement qui touche son premier ballon, mais il est dépossédé. Et Touré, on n'a jamais vu les Nantais dans cette deuxième mi-temps. Allez Lodzik, allez. Peut-être non. Non, là c'était complètement raté. C'était pour Loïc Amis. Et Touvenel qui va pouvoir s'en sortir tranquillement. Et Nantes qui va devoir cravacher hein, pour rattraper Bordeaux maintenant en championnat. Il ne va pas falloir trop gamberger. Oh, il y a un ballon perdu, Girard, Lacombe, Dieter Müller. Ouais, le milieu de terrain nantais ce soir n'a pas été au niveau de celui de Bordeaux. Audrin ouais, qui décale très très bien, même si ah, c'est dommage, c'est un peu long. Ouais, ça va sortir en sortie de but, l'idée était bonne. Mais vraiment côté bordelais ce soir, et là c'est Anini qui remplace Dieter Müller qui a fait un très très gros match Dieter Müller ce soir. Franchement ce soir on n'a pas vu de Bordelais qui n'a pas été bon. René Girard aussi a été très très important dans le milieu de terrain nantais pour la récupération de balles. Là c'est De Beauté qui était rentré côté nantais. Mais il reste une minute, deux minutes de jeu. Je ne pense pas que ça changera grand chose. Puisque Nantes à part cette demi-occasion d'Ali Lodzik n'a absolument rien montré. Et on va se quitter donc sur ce score de 2-0. Un score problématique pour Nantes mais vraiment... Attention, là c'est Ali Lodzik peut-être pour réduire le score. Ali Lodzik qui frappe. Et ça ne cadre pas. Et oui, dommage. Mais c'est un peu à l'image de cette rencontre. Mais ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas vu d'occasion nantaise. Et Ali Lodzik là qui avait pris le dessus sur Girard. Il trouve le petit filet.
Et donc ce soir, c'est Bordeaux, le patron, qui va repartir de Nantes gonflé à bloc, et qui reprend 2 points d'avance au classement. On verra, on aura l'occasion de voir le classement juste à la fin de ce match. Et Nantes, eh ben, qui prend certainement un coup sur la tête. Voilà, c'est terminé. Victoire de Bordeaux, Giresse 2, Nantes 0, 2 coups francs d'Alain Giresse. Et forcément, beaucoup de joie côté bordelais. C'est un tournant du championnat et beaucoup de frustration côté nantais. On va tout de suite voir les conséquences au classement en fonction des résultats. Et forcément, la conséquence principale, c'est Bordeaux qui est premier tout seul avec 37 points, 2 points d'avance sur le FC Nantes, 35 points. Troisième, Monaco, 30 points, qui reprend la troisième place à Auxerre, quatrième. Cinquième, Toulon, hein, très belle équipe de Toulon cette saison. Cinquième avec 28 points. Sixième, Lens, qui rate le coche, hein, en ayant été battu à Monaco. Les Lensois perdent leur cinquième place et sont sixième, septième, Brest, huitième, Metz. Très belle saison aussi pour ces clubs-là. Neuvième, Sochaux, 22 points. Dixième, Laval, 21 points. Marseille qui remonte à la onzième place, qui s'éloigne, hein, de la zone dangereuse. Rien ne va plus pour le PSG, 12e avec 20 points. Le PSG battu à Brest, 3 buts à 1 ce soir. 13e Nancy, 14e Bastia, 15e Lille, 16e Toulouse. Ça ne va pas fort pour les Toulousains. Pourtant, le recrutement avait été intéressant, hein, cet été avec Yannick Stopira, notamment, et Alberto Tarantini. 17e Rouen, 18e Strasbourg. Rien ne va plus pour les Alsaciens qui ont concédé le nul, hein, ce soir face à Rouen dans le match des mal classés. 19e tour, 16 points et Lanterne Rouge, et là c'est très inquiétant pour le Racing Paris, décroché avec 13 points. Voilà, c'était la 23e journée du championnat de France de division en saison 84-85. Il y aura bien sûr d'autres rendez-vous, hein, avec le championnat de France bien sûr, le calcio italien, la Coupe de France qui va faire son apparition et bien évidemment le retour dès le mois de mars des Coupes d'Europe. Voilà, merci de nous avoir suivis, très bonne soirée. A très bientôt.